Ils sont sans pitié. Ces barbares païens. Massacre aveuglément. Il souille le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Bon, allez, on est reparti. Allez, on commence la visite. Je sais pas, je connais pas ce modèle-là. Ah, plus j'ai pas le son. Vous avez pas le son, oui. Parce que tout à l'heure j'ai coupé le son de la PlayStation. Voilà, ça sera mieux. Qui es-tu ? Je m'appelle Aspasia. Bien que n'étant pas native d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle sociale grâce à mes qualités intellectuelles. J'ai même remporté l'amour de Périclès, l'un des hommes les plus puissants de la cité. L'esprit est une chose merveilleuse, n'est-ce pas ? Que penses-tu de cet endroit ? Je pense que l'Acropole est l'un des plus beaux sites de Grèce, sinon le plus beau. Mais comme il s'agissait d'un projet de mon compagnon Périclès, je ne suis peut-être pas totalement impartial.
Je m'appelle Aspasia. Bien que n'étant pas native d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle sociale grâce à mes qualités intellectuelles. J'ai même remporté la main de Périclès, l'un des hommes les plus puissants de la cité. L'esprit est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Je m'appelle Aspasia, bien que n'étant pas native d'Athènes, j'ai atteint le sommet de l'échelle. Grâce à mes qualités intellectuelles. J'ai même remporté l'amour de Périclès, l'un des hommes les plus puissants de la cité. L'esprit est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? J'aimerais commencer la visite. L'acropole d'Athènes est un bastion d'art et de culture digne des dieux eux-mêmes. Dans cette citadelle, tu trouveras de nombreux édifices sacrés, ainsi que certaines des plus belles réalisations. Et si vous pouviez anticiper les idées, les technologies et les business models de demain? Sera éblouissant. Quand cela vous suffirait-il? Viens me voir et nous parlerons. Et si vous pouviez réaliser ces idées et innovations dès maintenant, cela vous mènerait-il plus loin? C'est le moment de saisir les opportunités, de disrupter le marché et de transformer votre entreprise dès maintenant. Demain, dès maintenant. L'acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé dès le néolithique est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au 7e siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère. L'emplacement de l'acropole est étroitement lié au mythe de la fondation d'Athènes. Il s'agirait du site où Athéna et Poséidon se seraient affrontés afin de devenir la divinité tutélaire de la ville. Ce lien a valu à l'acropole une aura sacrée. Cutting-edge algorithms developed over years of research by some of the world's leading computational linguists. Through artificial intelligence, Grammarly's algorithms learn the rules and hidden patterns of clear, effective writing, analyzing millions of sentences. When you write with Grammarly, Grammarly's AI analyzes each sentence and looks for ways to improve it, whether it's correcting a verb tense, suggesting a stronger synonym, Are you ready to give it a try? Installation is simple and free. Visit Grammarly.com today. Bon sang, j'ai toujours rien quand tu interagis un peu. L'Athénanité a été bâti sur les vestiges de fortifications de l'époque mycénienne. On a retrouvé des traces d'activités religieuses remontant au 6e siècle avant l'ère commune, mais le bâtiment lui-même a été détruit lors des guerres médiques un siècle plus tard. Il fut reconstruit pendant la guerre du Péloponnèse. Dans la mesure où le nom d'Athénanité signifie Athéna de la victoire, il a probablement été érigé dans l'espoir qu'Athènes remporterait la guerre. Oui, ils ont fait un truc. Toi, t'as un Lucol en ami, mais tu vois, c'est pas marqué pareil. Tu vois, il y a des V, des machins, ça doit être marqué comme ça. Parmi les il y en a, ils peuvent marquer Vitality, mais ils font pas partie de l'équipe. Ainsi que des faux et comme là, il y en a, ils peuvent prendre notre truc et puis ils font pas partie de l'équipe non plus. Qui est Sarton? Le temple d'Athénanité
a été bâti sur les vestiges de fortifications de l'époque mycénienne. On a retrouvé des traces d'activités religieuses remontant au VIe siècle avant l'ère commune, mais le bâtiment lui-même a été détruit lors des guerres médiques un siècle plus tard. Il fut reconstruit pendant la guerre du Péloponnèse. Dans la mesure où le nom d'Athéna Nikée signifie « Athéna de la victoire », il a probablement été érigé dans l'espoir qu'Athènes remporterait la guerre. Contrairement à la plupart des temples ornés d'œuvres d'inspiration mythologique, celui-ci présente des scènes de batailles historiques contre les Perses. Sa prêtresse était choisie au hasard parmi les Athéniennes et recevait des émoluments annuels de 50 drachmes ainsi que des pots et trophées provenant d'animaux sacrifiés. Voilà, hop, le nom visité, il y en a 9 hein, tout visité. On en visitera 2 par épisode perso. Ouais, ça vous va. Ok, ça me va. Ça mais t'as redormi quoi. Ah, t'as dormi quoi. Ouais, mais non, il n'y a pas assez de connexion. Déjà, même moi, ça lag un peu. Je lui ai dit, là, t'es sur Shadow, là. Non. Ça laguait. Moi, déjà, tout à l'heure, ça laguait déjà un peu. C'était limite. Alors, je me suis dit, à deux sur nos Shadow, pas sûr que ça passe, mon gros. Voilà, Léonidas. Dis-moi, Dianekes. Es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour femmes. Que je reprenne mon jeu un peu. Protéger une situation. Thank you.
Ah, ça y est, je non, je ne protège pas. C'est comment pas se protéger là? Putain, hé hey. Je m'en fous de lui, c'est lui que je veux. Non, il est sur les autres pouvoirs. Non, là, c'est ça. Ah, oui. Après l'épisode, puis c'est tout. Ça a 2 sur Shadow, je suis pas sûr. Non, là, il puis Shadow, peut-être. Mais 2 sur Shadow, je pense que c'est pas possible. Sinon, on n'a plus de télé. Ah, pour esquiver. J'apporterai ta tête à Xerxes, Spartiate insolent. Bien la chercher. Oui, enfin, je suis. T'as vu le chat avec moi, là? Chadou? Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contre moi. Il s'arrive. Allons, on sera encerclé. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès sera anéanti par la nation. Oui, c'est vrai. Après, je suis d'accord avec toi, là, pour le coup, c'est vraiment. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin. Waouh, c'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien belle.
Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait être le Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale. Si ça te tente, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, tu pourras toujours modifier les valeurs. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, domination locale. Si tu as besoin d'aide, j'ai l'air dominé. Un local, le local. Écoute, Leïla, fouiller des boîtes de munitions, allez-y, Clen. Éliminer les joueurs ou des alcooliques apaisants. Parc. Ce type a écrit à propos d'objets magiques. Finir, après, j'ai pas. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors, il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts qui s'ouvrent, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pense. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an moins 431, début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, hé, Victoria. Lis-le, ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Ouais, ça lag, moi. Je commence à lag. J'espère que l'épisode n'est pas fini. J'ai vécu avec le bonhomme. Un homme. On fera peut-être un épisode avant la sortie du nouveau là que je vous ai mis au début. Là, vous le reverrez dans les rediffs de la télé et puis sur YouTube, sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine. Même pas la semaine prochaine, j'ai fait une vidéo. Pas la semaine qui arrive, hein, la semaine d'après, depuis un jour. Vous verrez. Voilà, abonnez-vous sur Twitch, vous la verrez, la nouvelle bande-annonce du nouveau Assassin's Creed. Valhalla. Ah, ça fait dur à dire. Sur le monde des Vikings anglais et le royaume d'Angleterre. Le cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière. Malak. Le cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y, approche un peu et je vais te montrer. Le cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Le cyclope se sent. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Ah.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Ben voyons. Sers-toi, je t'en prie. Tu as faim, carotte? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être me demander. Phoebe. On en a déjà parlé. Je sais. C'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaga! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces dragons? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Aïnos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête! Dégagez et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos. Il sera entendu. Marcos savait que ce serait utile au jeune Alexios. Mais je ne peux pas affronter les hommes du Cyclope avec ça. Je dois passer. Allez, bonne soirée! Ils sont sans pitié. Ces barbares païens. Il tue et massacre aveuglément. Il souille le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Non,
Votre PC. Avec une simple connexion internet, vous pouvez transformer n'importe quel appareil en PC gamer surpuissant. Comment ça marche? C'est simple. Votre Shadow est juste là. Une machine Windows 10 complète avec des composants haut de gamme, stockés en toute sécurité dans nos data centers. Pour accéder à votre machine, connectez-vous simplement à votre compte Shadow et vous streamez l'image et le son directement sur tous vos écrans. Que ce soit sur un vieux PC, une tablette, un smartphone ou même sur Mac, profitez de vos jeux sur tous vos appareils. Votre Shadow fonctionne comme un PC Windows 10 classique. Vous pouvez installer et lancer n'importe quelle application, les jeux qui vous appartiennent déjà, les derniers titres du moment et tous les logiciels de votre choix. Et le mieux dans tout ça, c'est que nous prenons en charge tout le matériel. Votre Shadow est régulièrement mis à jour et ne devient jamais obsolète. Vous pouvez donc profiter de performances haut de gamme, sans limite et sans aucune contrainte matérielle. Shadow, le meilleur moyen de transformer tous vos appareils en un PC gamer surpuissant.